bika e Yawe fongola lola basali bazunguya Yawe fongola lola makambwe bomana e Yawe fongola lola ye Beta maboko wana makasi Na ngambwa banguna na yo ezo bongo na bakake Lobite lelo e Yawe e Lobite siko yo Notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Approchez-vous de Dieu ». Amen. Amen. Approchez-vous de Dieu. Nous lisons dans Jacques, chapitre 4, verset 8. Il nous dit ceci. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos corps, hommes, irrésolu. Amen, amen. Amen. Linga. Beaucoup sont peine et peine. Nanzambe, bongoye, apoya peine et peine. Nabino. Bino batia masu. Bobongi sa visa de Nabino. Bino batia miteme mi balé. Boza la namonte ma. Moko kaka. Amen, amen. Amen. Ce message ne concerne pas Jacques chapitre 4 verset 8. Amen, amen. Amen, amen. Ici nous parlons de l'approche, de s'approcher plutôt à Dieu. D'être proche de Dieu. Amen, amen. Pour connaître quelqu'un mieux, il faut s'approcher de lui. Amen. 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 Je suis avec Azaya. Amen. Amen. Pour que je puisse connaître Azaya. Amen. Amen. Pour que Azaya puisse connaître mes secrets, pour que je puisse connaître ses secrets, je suis ami avec lui. Je suis proche avec lui. Amen. 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 Dieu nous dit ceci. Approchez-vous de Dieu. Amen. Amen. Elle nous dit de nous approcher de Dieu. Et lui, Dieu, s'approchera de nous. Si je suis proche de Dieu, Dieu aussi s'approche de moi. Amen. Amen. J'ai pris mon Dieu comme c'était Esaïe. Je m'approche d'Esaïe et Esaïe s'approche de moi. Quand je suis proche d'Esaïe, je connais ses secrets et Esaïe aussi connaît mes secrets. Nous devons suivre. Amen. Suivez. Approchez-vous de Dieu. Amen, amen. Amen. Si vous approchez de Dieu, Dieu aussi va s'approcher de vous. Si vous respectez les lois de Dieu, Dieu aussi va donner solution à vos problèmes. Si vous êtes obéissant envers Dieu, Dieu aussi va être aussi obéissant envers toi. À toutes les demandes, à tous les problèmes que tu as, quand tu l'appelles, il vient et il intervient. Amen, amen. Amen. Nous devons suivre très bien et de sorte que les enfants ne puissent pas nous déranger. Amen. S'approcher de Dieu, c'est la communion avec Dieu. Amen. Être en commun accord avec Dieu. Ils ont dit très important. Ils ont dit très important. Batumik de l'eau, bakamama na banane. Amen. Yo moninga na yo nani. Vous êtes proche na nani. Tu es accroché avec qui? Beaucoup se sont accrochés. Ils sont toujours avec les païens. Amen, amen. Amen. Quand un enfant est toujours, s'approche toujours avec les païens, deviendra païen. Les païens sont très
appelle un enfant de Dieu, un enfant seulement de dimanche. Puisque nous avons des chrétiens de dimanche. Amen. Ils sont chrétiens qu'à l'église. Après l'église, ils font les revues. Amen, amen. Amen. Déjà comme ça, ce sont déjà faciles à manipuler par l'ennemi Satan. Mais Dieu vous dit, il nous dit aussi, de s'approcher à lui, pour que nous aussi puissions s'approcher de nous. Le verset continue pour dire, nettoyez vos mains pécheureuses, je pense bien. Vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irraisonnés. Amen, amen. Bon, pour qui ça, vous allez dire non. Il n'y a pas de terminer. Vous allez monter ma avocat. Oui. Bah, il y a des terminés dans les maillards. Nakati n'a pas. Nakati est église. Amen. Zaba, le bon qui s'est vite, ma nabino. Il n'y a pas de terminer. 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 Il n'y a beaucoup sont les mêmes dans la vie. Amen. 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 Vous voyez que ma vie, qui m'a dit qu'elle est dans ma campagne, pour moi, vraiment, depuis la balle, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas si je suis en train de me faire. Mais je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Est-ce que je suis en train de me faire? Je suis en train de me faire. 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 Je suis en train de et bien, il va tout nous en manquer. Amen. 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 Kobota, Bana Bazali, oh, il va fuir. Il y a mon limbo, ils ont battu 4 dans mon bain de la moisse. Et bien, ceux qui vont la Bazali, il faut vous contrôler. Ils ont dit que non, l'église, on a assemblé là. Depuis la balle, non, on a la balle, mais depuis au balle, je n'ai pas de l'église. N'a pas de l'église. Comment quelqu'un qui est dans l'église étant chrétien, chrétien, il est si jamais il n'abandonne jamais ses anciens amis, ses anciennes amies. Amen, amen. Amen. Mais comment ces gens-là vont connaître Christ quand toi tu n'es pas vraiment dans le Christ avec nos deux pieds. Amen, amen. Vous allez nous connaître la Zambé, nous connaissons la Mouki. Dimanche à l'église, samedi, dans le monde. Vous aurez tout le temps dans le monde. Amen, amen. Oui, mais Dieu te donne encore le temps. Te donne encore le temps de changer ta vie. Approche-toi de Dieu. Sois sanctifié. Purifie ton cœur. Purifie-toi. Sois saint. Pour que Dieu puisse agir. Sois pire. Dieu veut que tu puisses appliquer la pureté. Ce sont ses promesses. Amen, amen. Amen. Les promesses de Dieu sont oui, amen. Il nous dit. Il nous dit. Approchez-vous de moi. Et moi, je m'approcherai de vous. Amen, amen. Amen. Oui. Approchez-vous de Dieu et s'approchera de vous. Ça veut dire avoir une relation intime avec Christ. C'est se mettre en lui, être en communion avec lui dans sa parole. Hébreux 10, verset 21. Hébreux 10, verset 22. Approche-nous donc avec un cœur sincère. Ton Seigneur qui s'approche pas na Yahweh Nzambe na biso. Na motema sembo, motema sembo. Avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure, d'une eau pure. Amen, amen. Amen. Comment on va s'approcher à Dieu, qui est trois fois saint, étant pécheur?
Amen. 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 Non. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Tu fais ton mélange. Le riz avec le haricot. Des fois, haricot. Plus, je ne sais pas quoi. Tu fais ce mélange. Toi, tu crois que Dieu va manger cela. Dieu mange tes prières. Dieu veut que tu sois sanctifié, que tu sois purifié. Dieu veut que tu aies un intercesseur pour que nous puissions s'approcher de toi. Amen. Amen. Comment Dieu va agir en toi si toi tu es toujours le même? Amen. 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 Quand quelqu'un vient en Christ, toutes les choses anciennes sont passées. Ma camion, c'est à Kala, ici, il connaît Kala. Ma camion, c'est à Sika, il y a Sika. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui est devenu nouvelle dans la vie des enfants de Dieu? C'est la sainteté. La façon de se comporter. Quitter le monde. Quitter les amis du monde. Être proche de Christ. Vivre la communion avec Dieu. C'est se mettre à Dieu. Amen. Amen. La Bible est encore. Dans Jacques 4, verset 8, verset 7, il nous dit ceci, bien-aimé. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen, amen. Amen. Les enfants de Dieu doivent savoir comment se soumettre à Dieu et résister à Satan quand il arrive dans leur vie. Jean 4, verset 7. Moi, dans un document sacré, la courbe à l'eau, ça a la canne au monde. Moi, dans un cas de prière, moi, dans un cas de commande de thé. Tu te dis que je suis chrétien, chrétien, devant un problème. Satan a eu ton sacré la vie, dans un collègue. Dieu dit qu'il faut résister au diable. Il fuira à l'aide de vous. Ça, diable, c'est comme un chien. Quand un chien s'approche de toi pour prendre les eaux que tu as mis, quand tu dis, non, à côté m'en parle. Mais quand tu le laisses, il va tout bouffer et il finira même par rentrer dans la maison. S'il y a encore quelque chose qui traîne là-bas, il va prendre. Résister. Résister au diable. Il faut résister aux choses mondaines. Résister au diable, ça veut dire quoi? Savoir comment dire non. Là, il faut dire non. Quelqu'un qui vient t'imposer des choses inutiles. Toi, tu dis oui. Oui. Là, vraiment, tu dois donner un grand prix pour que nous puissions agir de tous, disons, de la façon qu'il veut dans ta vie. C'est lui qui va commencer à gérer ta vie. Beaucoup de chrétiens, leurs vies sont gérées par ça. Amen. Amen. Pour la cause de prier là. Oh, que ça, c'est une promesse que Dieu nous a donnée, une promesse divine, de s'approcher à lui. Place nous, vous allez comprendre. Oh, nous sommes dans le temps. Vous voyez, mais Dieu est dans un maison d'âme. Gaïe, nous allons abattre ensemble. Mais on va dans un conseil. Zamba, vous savez là. Nagaï, toi, vous savez là, Gaïe. Ou bien, dans un conseil, vous savez là, dans un plaisir, dans mon égard, et vous avez un plaisir, dans mon égard, et vous avez un zamba. Nous avons besoin de la mais nous le plaisir de mon égard. Amen. 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 Il faut savoir faire plaisir à Dieu. 2 Pierre, 2 Timothée, 2 21. De Timothée, chapitre 2, verset 21. Nous lisons. Il dit ceci. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son être, propre à toute bonne œuvre. Amen. 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 Montrions souvent
la macambo oyo akuzala lokola vase d'honneur sanctifié et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen, amen. Proverbe 8, verset
17 et après un chapitre pour clôturer. Proverbe 8. Il dit ceci. 8 verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. 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 Dieu dit ceci, qu'il aime ceux qui l'aiment. Tant que nous disons, nous ne sommes pas dit. Tant que nous s'approchons, nous ne sommes pas s'approcher d'ailleurs. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Et ceux qui me cherchent me trouvent, ça c'est Dieu qui dit. Dieu aime ceux qui l'aiment. Et ceux qui le cherchent me trouvent. Yo le cavalier n'a pas de bon moyen. Yo le cavalier. Amen. On le va tout mingi. Alingi. Loko ya mouki de koule kaza. De koule kaza. Y a lingi. A son nom si a mouki. Mais ma cavalier n'a pas de bon moyen. Alinga comme un riche. Alinga son panique. Alingi baloga. Bayen bayen. Mais ma cavalier n'a pas de bon moyen. Amen. Qui le conduit? Oh, nous sommes dans besoin de qui va les donner. Amen. Qui va lui donner tout ce qu'il a besoin là? Amen. Satan. Dieu nous dit qu'il aime ce qu'il aime. Et ce qu'il ne cherche ne trouve. Ça oui, ceux qui n'aiment pas Dieu, Dieu ne les aime pas. Dieu ne les aime pas. Mais ceux qui aiment Dieu, Dieu les aime. Amen. Ceux qui ne cherchent pas Dieu, Dieu ne les cherche pas. Mais ceux qui cherchent Dieu, ils se trouvent. Amen. Dieu se trouve parmi eux. Amen. 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 La Bible dit, frappez où vous ouvrira. Matthieu 7:7. Frappez où vous ouvrira. Amen. Amen. Cherchez vos problèmes. Amen. Amen. C'est ça Dieu. Tu l'aimes, il t'aime. Tu le cherches, tu le trouves. Il se laisse trouver par toi. Amen. Amen. Si tu ne l'aimes pas, il va te laisser. D'ailleurs, il ne te connaît même pas. Puisque tu as choisi ton camp. Pour finir, Jérémie 29, verset 13. Jérémie chapitre 29, au verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. Verset 13. Alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Vous cherchez Dieu. Dieu va se laisser trouver parmi vous. Si vous le cherchez d'un cœur avec un cœur sincère. Amen. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous le trouverez. Dans vos affaires, cherchez Dieu. Dans votre vie, cherchez Dieu. Il va se laisser trouver parmi vous. Amen. Aimez Dieu. Et Dieu va aussi vous aimer. Amen. Abandonnez votre vie en lui. Marche dans la sainteté. Sois purifié. Et il arrive la sanctification. Amen. Et Dieu se laissera trouver parmi vous. Dieu n'est pas difficile, ce sont des gens qui sont difficiles. Dieu n'est pas compliqué, mais c'est les hommes qui sont compliqués. Amen. Dieu nous aime, mais c'est les hommes qui n'aiment pas Dieu. Dieu veut que nous puissions nous approcher de Dieu en lui. Et chercher toujours sa face dans tout ce que nous faisons. Il va se laisser trouver. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Job, nous allons finir vite fait. Psaume 73. Nous lisons au verset 28. Psaume 73, verset 28.
pour moi. Ça c'est David qui dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, David, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen, amen. Oui, il a son refuge à l'Éternel pour pouvoir raconter aux gens toutes les œuvres de Dieu dans sa vie. S'approcher de Dieu. Ésaïe 1, verset 16. Et c'est par là que nous allons terminer. Ésaïe 1. Au 18. Au 18. Mais pourquoi on va mettre la porte? Ésaïe 1. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Ça, c'est un conseil que Dieu est en train de nous donner. Ésaïe combien? Ésaïe, chapitre 1, verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Nous prions notre Dieu. Éternel notre Dieu, merci pour ce moment que nous avons passé au-devant de toi. Nous te bénissons pour cette parole qui vient de passer. Laisse que toi, c'est le Saint-Esprit, puisse nous garder et que ta parole, notre Dieu, puisse avoir sa place dans nos cœurs. Pour que nous puissions vraiment s'approcher et que pour ton Père puisse s'approcher vraiment de vous. Pour que vous aussi puissiez vous approcher d'eux. Donne la force et le courage d'être assidus dans ta parole et d'être au Père de toi 100% que pour toi et de suivre ta parole à la lettre. Cet Esprit de Dieu soutient-nous et soutient ses peuples. Partout où ils seront, qu'ils soient capables de témoigner et de défendre Christ dans les rues. Au nom de Jésus, je suis prié. Yahweh fongola lola babeli babikae. Yahweh fongola lola basali basonguya. Yahweh fongola lola makambwe bomana ye. Yahweh fongola lola ye. Beta maboko wana makasi. Nangambwa banguna na yo ezo bomana bakake.